L'incendie est maîtrisé, il est cantonné, il ne devrait pas se développer de nouveau. Par contre, il faudra plusieurs jours pour en venir totalement à bout. Nous avons effectué des analyses dès cette nuit pour vérifier la toxicité de ce panache de fumée. Les analyses n'ont pas fait apparaître sur les principales molécules de risque de toxicité aiguë. Tout panache de fumée est polluant, nous en sommes d'accord. Il n'y a pas là de toxicité particulière qui aurait impliqué, par exemple, du confinement ou de l'évacuation. Disent que c'est pas toxique, mais on n'y croit pas trop, franchement. D'ailleurs, de pourquoi le ministre est venu, pour dire ouais, ça craint pas, on est sur place, mais non, bien sûr, ça nous inquiète. Et même les jeunes, tout le monde vous le dira en fait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fermé les écoles, qu'ils ont fermé les routes. S'il n'y avait pas de risque, je pense pas qu'ils fermeraient tous les commerces ou ils fermeraient les écoles. Moi, ouais, pas inquiet, non, pourquoi? Il y a d'autres choses, hein, mais c'est grave, mais bon, a priori, il y a 200 pompiers, donc c'est bien sécurisé. Maintenant, ça va s'estomper, hein, les fumées, hein, on voit bien. Là, c'est que de la fumée blanche, ils viennent de lancer de l'eau dessus, donc la poudre a dû faire effet. Et puis, voilà.